Bonjour, me revoilà maintenant un mois plus tard que la dernière vidéo. C'est l'hiver au Québec, il fait froid, 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 froid. Les maisons sont sèches, l'air est sec dans la maison et ce qui fait qu'on a beaucoup, beaucoup d'électricité statique. Moi particulièrement. Surtout si j'ai un gilet en laine, c'est encore pire. Bon, bref. J'espère que vous allez bien. Merci d'être de retour pour les abonnés, notamment. Vous avez dû être avisé de l'apparition de cette vidéo. Si vous êtes nouvelle arrivée sur cette chaîne, bienvenue. C'est toujours un plaisir de voir qu'il y a des gens qui viennent. Ou qui prennent plaisir à visionner les petites vidéos que je fais de temps à autre. Sachez que pour les venus, que c'est une chaîne principalement où on va parler principalement de tricot, un peu de broderie à l'occasion, un peu de lecture à l'occasion, mais c'est vraiment véritablement une chaîne tricot. Mon nom est Manon, je suis québécoise, j'habite sur la rive sud de notre beau fleuve Saint-Laurent. J'habite pas très loin de la superbe ville de Québec. Et voilà. Alors, je viens vous présenter mes plus récents projets. J'avais un peu de temps aujourd'hui, alors, puis il fait beau, aussi bien en profiter. Alors, vous allez voir, j'ai sombré dans une drôle de spirale. vraiment. Pour commencer, le premier projet que j'ai fait suite à la dernière vidéo, c'est un col, parce que je me disais, comme je vais marcher tous les jours, j'ai besoin d'un col. Alors voilà, c'est celui que j'ai réalisé. Il est superbe, hein? Puis je pense que je ne l'ai même pas bloqué. J'aurais peut-être dû le bloquer. J'étais trop pressée de le porter. Alors, c'est le col Vima de Sari Nordlund. Super facile à tricoter. Je trouvais que, tu sais, quand on voit juste ce qui apparaît, enfin, bon, on a le cou bien caché, puis on voit juste le motif qui apparaît ici quand on a un manteau ouvert, ou je trouvais que ça en jetait pas mal, ça fait beau et super. On dirait là, que c'est un chandail là, très torsadé, très travaillé, alors que c'est juste la façade. Et puis moi, je suis assez paresseuse. Alors, je me suis dit, parce qu'à l'arrière, le panneau arrière, la designeuse le fait exactement comme le panneau avant. Je me disais, moi, pourquoi me donner tout ce trouble-là alors que personne ne va le voir? Alors, j'ai fait point et mousse seulement et je l'ai fait assez court. Mais c'est parfait, j'enfile, je mets mon manteau, le devant, le cou est chaud, c'était le but recherché. Alors, je trouvais que c'était un beau modèle, c'est un patron payant. Très simple à faire, c'est quand même assez rapide. Moi, je l'ai fait avec la laine que j'avais en inventaire. C'est ce que j'essaie de passer de plus en plus, là, la laine que j'ai dans mon inventaire, ce qui me permettra éventuellement d'en racheter de la nouvelle. Alors, je l'ai tricoté avec de la Old Garn Coast, couleur putty, que j'avais en grande quantité. J'avais acheté un cône il y a au moins 3 ou 4 ans, si ce n'est pas plus. Et je l'ai doublé avec un suri que j'avais, qui était un restant d'une autre de ma veste lundi que j'avais fait il y a 2 ans, je crois. Alors, c'était de Grenouille & Co, un superbe suri, une belle couleur. Les deux, je trouvais que ça s'agençait bien ensemble. Puis le suri ajoute de la douceur, ajoute un petit halo. Et ça faisait beau, les deux ensemble. Puis ça me permettait aussi d'atteindre l'échantillon qui était demandé pour le patron. Alors, c'est mon premier projet. Le cal Vima, le cal, le col Vima. Je me regardais dans la dernière vidéo que j'ai faite le mois passé. Ouh, j'avais l'air d'une morte. Alors, d'où le rouge à lèvres aujourd'hui. Mais il faut dire aussi que j'ai été vraiment malade là, dans le temps des fêtes et puis que ça paraissait même dans ma voix. D'ailleurs, je suis encore aux antibiotiques pour une sinusite qui persiste depuis ce temps-là, mais là, ça va vraiment mieux. Deuxième projet terminé, ben, c'est celui que je porte. C'est le chandail Home Sweater V-Neck de Cadrey, un patron payant également, que cette fois j'ai tricoté avec de la laine Old Garn Tides,
couleur Tudor, que j'avais aussi, j'avais acheté un cône de cette laine-là 5-6 ans passés. Puis à chaque fois que je passais devant mon armoire à laine, je la regardais, il faudrait bien que je la tricote, il faudrait bien que je la tricote. Alors voilà, c'est fait. J'ai donc deux brins de cette Host Garn Ties. Avec, j'ai acheté simplement le mohair. J'ai pris du mohair Kid Silk, couleur framboise, je crois, là, pour qui. Parce que la laine que Host Garn, c'est un peu une laine tweedée, un peu. C'est un rouge un peu tweedé. Et puis, je l'ai donc mixé avec un mohair un petit peu plus foncé. Je trouvais que ça s'agençait bien. Donc, c'est un col. Je me lèverai peut-être pas, ça vaut pas la peine. Tout le monde le connaît déjà amplement, ce chandail-là. Mais je n'avais jamais tricoté pour moi un chandail avec un col en V. Très facile à faire, le chandail. C'est des grosses mailles, grosses aiguilles. Je pense que je l'ai fait en 10 jours. Pas compliqué, puis j'ai fait le 2X large, je ne sais pas rien. Pas compliqué. La seule problématique que j'ai eue, petit défi, c'est de faire la fameuse ici, je ne sais pas si vous allez voir, c'est peut-être pas assez super, mais il y a une espèce de fermeture ici, là, puis ça, j'avais de la misère, je ne comprenais pas. Alors, je suis allée voir c'est comme une ligne en maille glissée. Moi, ça décalait toujours, c'était jamais parfait. Alors, je suis allée voir une petite vidéo, très simple, c'est juste que j'arrêtais pas au bon endroit, je ne reprenais pas les mailles au bon endroit. Alors, je l'ai faite, mais au début, le V commençait là. C'était un peu trop échancré pour moi. Alors, j'ai tout simplement cousu jusque-là. Puis là, comme ça, je suis satisfaite. Ça me convient. Ça va. Les manches sont bien, sont belles, sont longues, sont parfaites. C'est un chandail qui est très, très, très large. C'est un chandail confortable. Pour moi, c'est doux, c'est chaud. J'aime beaucoup le porter. Comme je vous dis, c'est très facile à faire. Vous voyez ici, là, ça, c'est les manches qu'on reprend là, quand on est rendu là. Très, très, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aisance positive. Beaucoup, beaucoup. Alors, moi, je suis très bien dedans. Bon, c'est sûr que j'aurais peut-être pu le faire un peu moins grand, d'autant que cette laine-là se détend beaucoup. Mais pour un chandail de tous les jours à porter à la maison, c'est parfait, je l'aime beaucoup, c'est un beau projet, ça m'a permis de passer beaucoup de laine que j'avais en réserve. Toujours, c'est toujours bien, ça fait toujours du bien au moral aussi. Puis c'est une couleur, je pense, une couleur qui me va bien, un beau rouge pétant. Ça enjolive, égaie les journées froides de l'hiver. Voilà donc, c'était mon chandail. C'est le Home Sweater V-Neck de Cadrey. Ensuite, c'est là que je vous dis que je suis tombée dans une spirale. Puis vous avez le droit de vous moquer de moi, ça ne me dérange pas du tout. Je suis pleine d'autodérision, mais là, je suis tombée dans la spirale des poupées et des toutous tricotés. Et voici la coupable. Alors ça, c'est la poupée. Oh, regardez comme c'est mignon, ses petits pieds. Je la trouve trop drôle. Regardez, elle a même un petit sac en bandoulière avec un petit chien dessus. Une petite veste, une petite jupe. C'est vraiment, vraiment, vraiment un plaisir à tricoter. Ça se fait rapidement, très rapidement. Un petit chapeau qui s'enlève. Les cheveux qui sont faits. Bon, vous voyez, là, je suis en courbe d'apprentissage. Vous voyez ici que c'est pas super. C'est une poupée qui se fait en morceaux. Alors, on tricote une jambe, puis une autre jambe, un bras, l'autre bras, le corps, la tête. C'est long, c'est sûr, c'est long. Mais à la grosseur qu'elle a, ce n'est pas si long ça non plus. C'est tricoté à plat, ce qui veut dire qu'il faut faire nos coutures par la suite. Par exemple, la jambe, on la rembourre, puis là, il faut faire la couture là, tout le long en arrière. Et je déteste la couture. Mais ça a été pour moi un bon projet pour prendre de l'expérience avec la couture. Vous voyez, je pense que j'ai quand même assez bien réussi. Mais moi, je trouve. Moi, je trouve qu'on ne voit pas trop. Là, où est-ce que. Vraiment. Et puis,
Les bras, la même chose, sauf que là, les bras, c'était plus difficile parce que là, il fallait faire aussi, faire en sorte, excusez, mon écran s'est éteint, faire en sorte que les rayures adonnent, ce que je n'ai pas parfaitement réussi. Pour ensuite, autre technique nouvelle pour moi, pour les cheveux, c'était de l'intarsia. C'était complètement nouveau pour moi, je n'avais jamais fait ça. Maintenant, je sais comment faire, puis je vais sûrement gagner en expérience. Puis après, ben, c'est amusant à faire, c'est rigolo, on peut la déshabiller, l'habiller. Je sais que les petites filles, les miennes en tout cas, vont peut-être aimer ça éventuellement. Fait que j'aimerais ça lui en faire quelques-unes de plus. Le patron, c'est un patron de Louise Crowther. Je pense que c'est une British. Elle a fait jusqu'à présent. Bon, ça, c'est des patrons qu'on peut acheter à l'unité sur Ravelry, ce que j'ai fait pour la poupée Jane. Mais c'est aussi un livre qui contient, je pense, une dizaine de poupées du même type avec leur garde-robe unique et différente à chacune d'elles. C'est un livre de Knitted Dolls, je crois, de Louise Crowther qui était sorti. Puis maintenant, chacun des patrons peut se trouver à l'unité. J'ai le goût de l'acheter le livre. À suivre. Par la suite, j'ai commencé à regarder sur Ravelry, à naviguer pour voir quels étaient les autres patrons. Cette poupée-là, je l'ai faite entièrement avec des restes que j'avais. C'est que des restes. Et donc, j'ai regardé ce que la designer Louise Crowther avait fait d'autre. Puis là, je suis tombée sur ces animaux tricotés. Et j'ai également, en même temps, que je regardais sur les différents patrons qu'elle avait faits, les patrons que des tricoteuses avaient réalisés. Vous savez ce que c'est, hein? On tombe de fil en aiguille, on surfe, on passe d'un endroit à d'un autre, de YouTube à Ravelry, etc. Et là, j'ai découvert la chaîne YouTube d'une dame, une Américaine de l'Oregon, qui s'appelle Linda Eld, Eld. Cette dame-là, je pense qu'elle est proche de 80, c'est pas plus, parce qu'elle tricote pour ses arrière-petits-enfants. Et les toutous, les animaux tricotés de ce livre-ci, oui, j'ai succombé et je l'ai acheté. Knitted Animal Friends. Je pense qu'il y en a 12 ou 14 animaux. Mais la dame, Linda Eld, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y en a 4, 13 animaux. Linda Eld, sur sa chaîne, elle les a tous faits. Tous. Si ce n'est pas à plusieurs reprises chacun. Donc, elle a gagné en expérience sur la façon de faire ces fameux toutous. Parce qu'il faut savoir qu'ils sont tous tricotés à plat. Et donc, ça nécessite de la couture. Il faut coudre comme un peu la poupée. Il faut coudre les jambes, les bras, le corps, la tête, l'alouette. Donc, moi, je me disais toujours, avant d'avoir fait ma poupée, je me disais, bon, oui, c'est joli, je vais tricoter toutes les pièces. Puis après, au moment de la couture et de l'assemblage, je vais tout gâcher l'affaire. Ça ne sera jamais beau. Puis là, ben, je trouve que le résultat il est quand même pas mal. Moi, je suis très, très contente du résultat d'une première poupée, mes premières expériences en intarsia, en couture. Fait que ça m'a donné vraiment confiance. Puis après, je suis tombée donc sur la chaîne YouTube de Linda Hale, qui, elle, n'aime pas non plus la couture. Et elle doit être rendue à ses 40, 40e toutou tricoté de cette même designer-là, les mêmes patrons. Elle a développé une façon, une technique, une façon de faire. Elle tricote en rond les jambes des animaux, les bras des animaux, le corps des animaux. Puis, au lieu de venir les coudre après, par exemple, la patte après le corps, elle les intègre dans son tricot en rond. Ça m'a plu énormément. Et quand j'ai vu ça, je dis, ah oui, moi aussi, je suis capable donc de faire ça. Et c'est là que j'ai acheté le livre parce que je me suis dit, moi aussi, j'aimerais en faire plus qu'un. Et voilà. Voilà, ça c'est Charlotte la renarde. Ça c'est mon premier toutou du livre Knitted Animal Friends. Je suis super fière. Il n'est pas parfait, pas du tout, mais je sais que j'ai appris beaucoup, 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 beaucoup en le faisant. J'ai même fait une petite robe, toujours tirée du même livre. Regardez.
Tout est prévu. Je vais enlever sa robe, puis je vais vous montrer un peu qu'est-ce que je vous dis quand j'ai une courbe d'apprentissage. Bon, excuse-moi, là, je te déshabille au grand complet. Elle a même des bobettes, des culottes pour les Françaises. Voilà ça, c'est ses culottes tricotées. La designer l'appelle les French Knitters. Knitters? French, comment ça s'appelle? French Kickers? Je ne me souviens jamais du nom qu'elle donne à ça. French Knickers. Oui, French Knickers. Donc, des culottes françaises. Toujours le petit trou. Bon, j'enlève ça aussi. Et donc, avec la technique que nous enseigne, parce que généreusement, Linda Hill, sur sa chaîne, nous montre, elle a fait plusieurs tutoriels et nous montre comment elle. C'est quoi sa méthode? Parce qu'elle n'aime pas trop coudre. Alors, chacune des pattes est tricotée en rond. Pas de couture là. Quand on commence le corps, on fait notre couture, on intègre la patte parce on fait pas le rabattage des mailles, on laisse les mailles vivantes et on vient reprendre le tout. Donc, il n'y a pas de couture, des deux côtés, c'est parfait. Puis après ça, on continue. Là, il y avait de l'interstia, puisqu'il y a un côté blanc, puis le derrière est tout roux. Et puis, les bras qui sont tricotés aussi avant sont laissés aussi sur des mailles vives, puis on vient tout simplement les intégrer dans notre tricot en rond. Donc, ça évite aussi une couture ici. Jusqu'à présent, là, j'ai rien à coudre, j'ai juste à tricoter en rond comme on sait tout faire, là, la majorité d'entre nous. Et puis après ça, mais elle donne aussi un truc parce que si vous allez voir les toutous tricotés sur Ravelry, par exemple celui-là ou un autre, et souvent ça arrive que la tête n'est pas tout à fait droite. Ben, on évite ça d'abord quand on ne coupe pas la tête au corps, puisqu'on continue, nous, à tricoter en rond. Donc, ça fait plus stable, j'imagine. Et elle montre aussi un autre truc que j'ai fait avec. Oui, j'en ai tricoté un autre animal que je vais vous montrer. Alors, ça, c'est Charlotte the Fox, la renarde, avec ses petites culottes, sa robe et le clou, elle a un manteau. Un manteau. Le manteau, là, c'est interminable. C'est du point de lin. Et le point de lin, bien que facile à tricoter, c'est très très long parce qu'il y a un jeu de mailles, c'est long. C'est long, 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 long. Mais le résultat est très beau, j'aime bien. Et puis, ben, comme tous les animaux ont la même taille, ben, tous les vêtements sont interchangeables et peuvent faire à n'importe quel animal qu'on aura tricoté. Alors voilà, mon premier toutou tricoté. Super fière, je suis vraiment, vraiment contente et je me trouve vraiment vieille mémé gaga à 61 ans de tricoter des peluches, mais j'adore ça et j'ai au moins une raison de le faire. J'ai des petites filles. J'imagine quelqu'un qui a envie de le faire mais qui n'a pas de petits-enfants. C'est quoi sa défaite pour les faire? Je ne sais pas. Mon autre, eh bien voici. C'est Maisie, Maisie the Pig. C'est pas trognon. Même grosseur que son ami. Ils sont toujours sur le même format. La petite robe, je la trouvais trop jolie. Et puis, il fallait que je la mette tout de suite, mais elle sort du blocage. J'ai pas eu le temps encore de rentrer les fils et de poser les boutons. Regardez la queue. Oh, je vais vous montrer ça. Je vais. Excuse-moi de te déshabiller. Alors voilà, c'est Missy, la petite cochonne. Gros défi, coudre, parce que là, il y avait de la couture à faire. Coudre le nez sans que ça ait l'air trop. Courbe d'apprentissage pour moi, comme vous allez le constater, les narines ne sont pas tout à fait égales, tordent un peu, mais bon, ça ajoute un charme, n'est-ce pas? Mais je suis très satisfaite de ma couture autour. Voilà, les petites oreilles, les yeux, c'est des boutons, la petite queue qui m'a donné beaucoup de mal à retordre. C'était pas évident de tricoter en rond cette affaire-là. Je voulais pas le coudre. J'ai essayé à plat.
puis leur coude après, ben, c'était pas beau. Et finalement, je l'ai refaite en rond. Puis là, ben, ça donne ce que ça donne, mais moi, je suis bien contente. Dans tous les cas, les laines utilisées, c'est la laine au nom imprononçable. Je vais vous montrer. La Shipjeez et la base Stonewash. Stonewashed. C'est vraiment, c'est du coton. Vraiment doux, doux, doux. C'est du coton et acrylique. Donc, c'est parfait pour des jouets. C'est très pelucheux, très doux à tricoter. Tricoter du coton comme tel, j'aurais pas aimé ça parce que c'est dur pour les doigts du coton. Je sais pas pourquoi, ça glisse mal, c'est dur à tricoter. Tandis que ça, c'est doux, 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 c'est très souple. C'est une grosseur fingering, je crois. Et puis, c'est la laine qui est préconisée par. C'est Sportweight. C'est la laine qui est préconisée par la designer de ces patrons-là. Et moi, pour me donner le plus de chances de réussite possible, j'ai utilisé exactement toute la laine qu'elle a préconisée, avec les mêmes aiguilles, etc. Puis ces laines-là ne sont pas. Ben, en fait, il y a beaucoup de coloris. Sont pas. J'ai pas réussi à les trouver partout, partout, au même endroit. Parfois, je trouvais une couleur à un endroit. Bon, moi, je voulais avoir tout au même endroit. Et j'ai trouvé une merveilleuse boutique que je ne connaissais pas, qui, je crois, est en Saskatchewan. Toemombe. Vous avez les infos là. Eux, en fait, sont détenteurs de toute la gamme Shipjeez. Toutes les bases, toutes les couleurs. Service ultra rapide. Je commande et la semaine d'après, tout est rentré. Alors, puis ça arrive dans un joli petit sac comme ça en organza. Et c'est là donc que je me suis procuré les laines pour Charlotte. Et pour Messi. Oh, je les trouve trop belles. Je suis vraiment gaga. Alors voilà, puis j'ai fait comme Linda elle, j'ai copié sur elle. Parce que le livre Netted Animal Friends arrive, c'est un beau livre, mais pas broché, une couverture là, rigide, là, tout un paquet. Ce qui fait que quand on l'ouvre pour faire notre patron, pour tricoter, suivre le patron, ça se referme tout le temps, il faut le faire tenir avec des pinces, ou c'est pas pratique. C'est un magnifique livre, autrement que la couverture, que la reliure, mais c'est magnifique ce livre-là. Il est en français aussi, moi je peux faire tricoter en anglais. Donc, ce que j'ai fait, je suis allée chez Bureau Ango et ils ont tous les équipements nécessaires. Ils ont coupé la tranche. Ça a coûté une bagatelle, je pense, moins de 5 $. Et puis moi, ben, ensuite, j'ai mis ça dans un cartable et puis j'ai mis chacune des pages là, dans un étui. Pas un étui, comment on appelle ça? Je perds mes mots aujourd'hui. Dans des protecteurs en plastique. Ce qui fait que maintenant, je suis super bien organisée, ça tricote bien, ça tient bien. Quand je peux mettre un papier, vous savez, ici, là, un papier qui colle. C'est aussi un post-it pour avoir exactement où je suis rendue. C'est efficace, ça va vite et bien. C'est un beau système. C'est pas mon invention, c'est Linda L. qui l'a fait. Puis elle a eu la patience de le faire avec un exacto page par page. Ce que je m'apprêtais aussi moi-même à faire avant que je me renseigne et que je sache que Bureau en gros pouvait nous faire ça en 30 secondes pour moins de 5 $. Ce que j'ai adopté. Voilà donc, c'est ma spirale. Je dis une spirale de toutou parce que. Là, je suis en train de finaliser la garde-robe de mademoiselle ici. Et puis, je vais vous montrer sa garde-robe. Vous allez voir, c'est trop beau. Et la designer vient de sortir un nouvel ouvrage. Cette fois, c'est des animaux de la jungle. Et Manon, ben, Manon, elle se l'est procuré. Je l'attends parce que je pense qu'il est encore en rupture de stock. Je l'attends, mais ça va me donner la chance de continuer avec les animaux aussi. Puis après ça, c'est les animaux de la jungle dans le prochain volume. Un singe, un zèbre, des lions, des tigres, etc. Alors voici la garde-robe. Là, je suis en train de faire le cardigan. La robe est faite. Puis après, ça va être les chaussures. Regardez comme c'est mignon. Alors voilà, je suis vraiment gaga. Vraiment.
Mais bon, j'ai le prétexte, c'est le mot que je cherchais tantôt. J'ai le prétexte. Moi, j'ai deux petites filles. Alors, je ne fais pas ça pour moi, je fais ça pour mes petites filles. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres choses à vous présenter? La poupée, Charlotte, Macy. Un dernier, mais tout simple, celui-là. C'est des bottillons. En fait, c'est des grosses pantoufles que j'ai fait. Ça aussi, ça prend une soirée, une pantoufle. C'est vraiment pas long, grosse laine et tout ça. Ils sont super confortables. C'est un nouveau modèle que j'essayais. C'est un patron de Madeleine, les bottillons douillets, qui se tricotent avec leur laine grizzly, qui est de la très, très, très grosse laine. C'est super rapide à faire. La laine est très, très moelleuse. Alors, ça sera pratique pour l'hiver. Je mets ça dans ma boîte, là, à ceux que ça intéresse. Ou quand personne n'est intéressé, ça sera moi, parce que ça peut faire, on s'entend, à plusieurs grandeurs. Alors, c'est le petit projet que j'ai fait récemment. Mais là, vraiment, je suis plongée dans l'univers des toutous. Je me suis même donné comme défi, parce que bon, c'est un défi auquel je prends beaucoup plaisir, là. Quand je vais être tannée, je vais arrêter, mais j'aimerais les tricoter tous. Je ne vous ai pas montré tous les toutous qu'il y avait, hein. Je suis trop pas exubérant, trop. Pas comment dire. Je vais vous montrer quelques-uns. Regardez le hérisson, un cheval, une souris, un chien, un bélier, le canard, la petite cochonne qui s'appelle Missy. C'est pour ça que je l'appelle la petite cochonne. La truie, je trouve ça laid. Cochonne, ça porte aussi un peu bizarre, mais bon. Il y a un hérisson, le hibou est peut-être. Il y a un écureuil et un hibou. Le hibou aussi est peut-être. Regardez son manteau! Puis lui, il y a des pantalons! C'est trop drôle. Oui, ça, peut-être que ça va être le prochain. Bélier. Le chat, je trouve que c'est le moins réussi. Le chat, c'est possible que je passe par-dessus. Je ne sais pas. À suivre. Alors voilà, c'était ça pour mes aventures tricotesques du dernier mois. Tranquillement, petit à petit, la chaîne augmente un peu en nombre d'abonnés. Si vous êtes nouveau, nouvelle plutôt, parce qu'il n'y a aucun homme qui regarde ça, mais si vous êtes nouvelle, abonnez-vous, s'il vous plaît. Ça me ferait vraiment plaisir. Ça agrandit la communauté. Puis je me rapproche un peu d'eux, tranquillement, pas vite, de mon but, qui serait d'atteindre les 1000 abonnés. Ce serait franchement. Ça serait drôle d'avoir 1000 personnes, 1000 abonnés. Cliquez sur le petit pouce en l'air si ça vous a plu. Parlez-en autour de vous si ça vous a plu. Abonnez-vous. Et puis, revenez-moi probablement dans le mois prochain. J'espère que j'aurai autre chose à vous montrer que des toutous. Non, j'ai deux autres projets en cours qui ne sont pas, qui n'ont rien à voir avec l'univers des toutous tricotés, parce que je comprends très bien que ça peut ne pas intéresser tout le monde. Je comprends parfaitement parce que jusqu'à tout dernièrement, je trouve ça beau, là. Mais bon. Bref. Voilà. Alors, je vais vous laisser sur des images de notre beau fleuve cet hiver. Des poules, dont une qui est toute décharnée du cou. J'ai quasiment vu parfois du tricoter un foulard. Mais bon. Elle n'a pas l'air à trop souffrir. Mes poules sont des poules bioniques. On a eu des températures moins 30. Les nuits avec le vent, tout ça. Je me disais, le lendemain, c'est sûr qu'ils vont être gelés. Mais non! Allô les filles! Ouh, c'est silencieux. Allô les belles filles! Allô, comment ça va? Est-ce que tout est beau là ici? Ouais! Ouais, vous osez pas, hein? Oh pauvre toi, t'as tout le cou à l'air, pauvre poulette. Faudrait que je te tricote un chandail. Ouais, foulard. Oui. Bon, un petit bain de poussière, ça fait du bien.
Hey, je vous ai jamais montré le fleuve, je pense, l'hiver. Je vous le montre souvent l'été. C'est une magnifique journée aujourd'hui. Il fait froid, moins 15. Pas de vent, beau soleil. Magnifique. Il y a un bateau qui s'en vient là-bas, là-bas. Bon, les filles, je referme la porte, hein? Vous sortez pas de toute façon. Vous avez peur de la neige. Bye bye! Ah, c'est ça la neige ici. Il y en a beaucoup, hein? Voilà notre beau fleuve en ce 27 février 2023.